tout le monde. Et merci d'être là, merci d'être présent. Et on a le premier intervenant de l'année 2018, intervenante de l'année 2018, c'est Hélène Révalette. Donc Hélène, elle est très connue pour ses travaux qu'elle a menés sur le processus de concertation et puis de participation. Et donc, on l'a invitée pour ça, et en particulier, et entre autres, pour tous les travaux menés sur les zones côtières dans ce domaine-là, dans différents programmes. Donc Hélène, puisque tu es pressée de commencer, je te laisse directement la parole. Je ne suis pas spécialement pressée. Bonjour, merci tout le monde. Donc effectivement, je vais vous présenter une réflexion sur la concertation et la co-construction, la participation, disons, au sens large. Mais j'ai mis le titre en jaune « Évaluation » parce qu'en fait, le point focal de la communication, c'est comment on peut évaluer ces dispositifs. Et du coup, donc, j'essaye de rentrer à partir d'exemples et je vais vous présenter donc plusieurs exemples avec plusieurs types de méthodes, avec bien sûr les limites et les avantages. Alors, ce que je vais vous présenter maintenant est un travail de recherche. Donc, ça fait à peu près une dizaine d'années que je m'intéresse à ces questions d'évaluation des processus participatifs. Au départ, avec Cynthia Maté, qui avait fait sa thèse avec moi, donc, et dans le cadre aussi d'un PSDR où on a travaillé sur un guide de la gouvernance territoriale. Et puis plus récemment, avec Jean-Eudes Beuret d'AgroCampus et Audrey Richard de l'IRSTEA, dans le cadre d'un travail pour le Conseil général du Gard où on nous a demandé d'évaluer 23 dispositifs de concertation qu'avait mis en place le Conseil général du Gard et qui du coup nous a amené à nous poser de façon plus approfondie finalement cette question de quels outils on peut mettre en œuvre pour essayer d'évaluer donc ces dispositifs. Alors, quelques constats introductifs par rapport à cette question. Bien évidemment, alors sur la concertation et la participation, il y a énormément de travaux. On a dans la salle des gens qui le savent bien. Dès qu'on passe à la question de l'évaluation, il y en a beaucoup moins. Et même si ça se développe depuis quelques années, on a quand même, je dirais, un peu un déficit de travaux qui essayent de rentrer par l'évaluation. Alors, bien évidemment, on évalue des choses qui sont très diverses, avec beaucoup de pratiques différentes, et donc notamment les pratiques d'animation de concertation qui peuvent être très diversifiées, et avec derrière cette hypothèse, voire ce postulat, que les outils ont un caractère performatif et que donc une partie des choses que l'on va observer peuvent venir des outils comme ça peut venir finalement aussi du tissu social. Donc la question aussi, ce n'est pas juste d'évaluer, c'est aussi de savoir finalement pourquoi on obtient tel type de résultats ou d'autres. Alors, si on essaye de faire un peu une typologie des travaux de recherche, et ça c'est un schéma que j'ai fait à partir des premières synthèses qui avaient été faites en 4 volumes de concertation décision environnement, qui essayaient de retranscrire un peu les types de recherche menées. Alors, de façon bien sûr très schématique, on peut distinguer des approches qui sont plutôt centrées outils ou plutôt centrées public, avec des approches qui sont plutôt prescriptives ou plutôt compréhensives. Sachant que en bleu foncé, c'est là où on va trouver, je dirais, un peu l'essentiel des approches, c'est-à-dire dans une logique un peu utilitariste où on essaye de s'intéresser en fait à la concertation et mettre en place des outils dans l'idée d'augmenter l'efficacité des politiques, voire même leur acceptabilité, ce qui là peut être plus, je dirais, différent à prendre en compte. Alors, de l'autre côté, on a des aspects qui sont plutôt de démocratie délibérative, où on va plutôt s'intéresser à l'apprentissage des publics, à ce que ça apporte dans les publics et en quoi, finalement, ça permet une meilleure appropriation du sens des politiques publiques et de leur modalité de fonctionnement, avec du coup, au-dessus, plutôt des questions de transparence, d'apprentissage, donc d'apprentissage social, finalement, de la chose publique. Et de l'autre côté, plutôt tout ce qui va relever, c'est schématique hein, bien sûr, tout ce qui va relever, je dirais un peu, de la construction d'une ingénierie de la participation en essayant donc de mettre en place des outils et de professionnaliser en fait ce domaine. Alors,
Effectivement, qu'est-ce qu'on observe si on prend un peu de recul, c'est qu'il y a peu d'évaluation, mais il y a finalement un besoin et une réflexion croissante autour de cette question de la qualité des concertations et notamment du besoin de professionnalisation des pratiques avec une communauté qui maintenant s'est bien instituée, notamment avec le GIS Participation, avec le ministère de l'Environnement qui a aussi beaucoup œuvré, avec la Fondation de France. Enfin, il y a eu beaucoup, je dirais, d'expériences d'incitation et qui se sont traduites notamment par la diffusion de chartes et puis plus récemment par la mise en place de Garant, donc notamment une question pour laquelle Laurence Monnier-Smith a beaucoup, je dirais, insisté, pour mettre en place des garants qui permettent finalement d'être un peu des observateurs et de garantir une certaine qualité et équité dans le processus de participation. Alors, pourquoi évaluer la participation? Alors, pendant tout le temps, je vais parler de participation au sens large. Hein. Concertation, co-construction, participation, on ne va pas rentrer dans ce débat-là qui est sans fin. Donc, je parle de participation au sens large. On verra après au niveau des outils. Alors, pourquoi évaluer? Peut-être pour identifier les limites et les coûts, comme dans une procédure normale d'évaluation, je dirais, des politiques publiques au sens large et du coup, des outils qui sont mis en œuvre dans les politiques publiques. Mais l'évaluation, et notamment il y a beaucoup de travaux sur l'évaluation et en particulier sur l'évaluation participative, qui montre que finalement ça facilite des attitudes réflexives au sein des dispositifs et donc ça apporte, je dirais, un apprentissage interne, du recul, qui peuvent être intéressants. Le fait d'évaluer, ça peut permettre aussi d'accompagner les gens dans les choix entre types d'outils. Il y a pas mal de bureaux d'études qui se spécialisent, en fait, par rapport aux collectivités territoriales notamment, en essayant d'identifier leurs besoins et d'essayer de les orienter vers des outils. Donc ça, encore faut-il peut-être avoir un peu une nomenclature d'outils avec avantages et inconvénients de chacun, ce qui nécessite du coup d'approfondir la comparaison. Parce que la plupart des approches qui existent sont souvent un peu monographiques, sur une participation en particulier et moins sur la comparaison. Et puis, bien sûr, ça peut contribuer dans le mouvement qui s'est déjà développé de professionnaliser cette participation, instituer des normes sans standardiser. Il ne s'agit pas du tout, effectivement, d'aller chercher un outil miracle ou de vouloir définir des standards, mais plutôt peut-être de mettre des barrières, des normes en termes un peu de recommandations. Alors, dès qu'on travaille sur cette question d'évaluation et quand on fait de la bibliographie, on se rend compte qu'il y a beaucoup de réticences à évaluer. Et il y a beaucoup de débats, et je dirais logiquement, il y a beaucoup de débats sur la faisabilité de cette évaluation. Alors, d'une part, il y a des auteurs qui disent que les effets sont fortement dépendants des contextes culturels et juridiques et que du coup, ça n'a pas beaucoup de sens de comparer ce qui se passe entre différents pays. D'ailleurs, quand on cherche de la littérature un peu plus anglo-saxonne sur ces questions, y en a moins, il y en a beaucoup maintenant sur le numérique, mais on s'aperçoit qu'on a un peu du mal à comparer ce qui se passe en France avec ce qui se passe ailleurs, parce qu'effectivement, les contextes sont différents. La principale critique, elle ne vient pas de là, elle vient sur l'idée qu'il y aurait une relation de cause à effet entre la mise en place d'un dispositif participatif et les changements qu'on observerait dans le processus de décision. Et notamment, les auteurs qui critiquent, je dirais, cette idée de pouvoir un peu, comment dire, désenclaver la concertation d'un processus plus large, en fait, mettent en exergue l'idée qu'il y a une complexité d'encastrement, qu'on est dans un système d'acteurs et qu'on ne peut pas comprendre, en fait, les effets d'un moment, je dirais, de ce dispositif, sans étudier de façon plus globale le système d'acteurs, d'où, et c'est tout à fait justifié, d'où de nombreuses études qui sont plutôt du type monographique et qui vont justement décortiquer plutôt en dynamique, je dirais, ce qui s'est passé. Et du coup, la plupart de ces auteurs critiquent en expliquant que le besoin d'évaluation, l'évaluation doit se faire dans la durée. Et alors ça, dès qu'on travaille sur l'évaluation d'une façon générale, il y a toujours ce problème du tenter au moment où on évalue et des effets rebonds qui vont avoir après, notamment Jean-Yves de Beuret utilise beaucoup cette expression d'effet rebond, qu'effectivement, on ne va pas pouvoir prendre en compte puisqu'on n'a pas fait l'évaluation
je dirais, au bon moment. Hein. Alors tout ça, je dirais, c'est des choses qu'on peut retrouver d'une façon générale dans l'évaluation des politiques publiques en général, mais qui ne doit pas nous empêcher quand même d'essayer d'avancer, parce que sinon, si on regarde que les limites et les problèmes, effectivement, on ne va pas avancer. Alors, quelques évidences que l'on retrouve quand on regarde un peu ce qui se passe sur les questions de participation. Les effets de capacitation sur les participants, c'est-à-dire le fait que pour les participants, il y a un apprentissage qui se fait, il y a une confiance en soi qui revient, il y a pas mal d'effets qui peuvent aller jusqu'à des effets pervers de trop forte notoriété de certains participants, hein, avec notamment Blatrix avait montré qu'il y avait une certaine professionnalisation des participants. Ok, donc ça c'est, je dirais, un peu admis. Des effets politiques pour les initiateurs, c'est aussi largement admis, c'est-à-dire que quelque part, pour les collectivités, les services qui mettent en place ça, voire même les maîtres d'ouvrage quand il s'agit d'investissement, d'infrastructures, on leur en est reconnaissant et donc leur image est valorisée. Autre évidence, je dirais, très importante, c'est qu'il y a des difficultés de mobilisation. Donc il s'agit de trouver des gens qui veulent venir participer, en particulier certains publics, notamment les jeunes, mais pas que, dont on a du mal finalement à les faire participer. La participation, je dirais, va dépendre du degré de conflictualité. Alors là, on est dans une équipe qui travaille beaucoup sur les conflits, donc moi, je ne suis pas du tout spécialiste des conflits, mais il est évident que quand il y a un conflit trop important, ce n'est pas une concertation qui va peut-être résoudre le problème, ou en tout cas, il faut peut-être la prévoir d'une façon particulière. Hein. Laurent Mermet avait fait un travail pour montrer justement que quand on était dans une situation trop, je dirais, trop conflictuelle, toutes les méthodes, que ce soit les approches patrimoniales, voire même sa propre méthode, finalement, n'arrivait pas à dépasser ces problèmes-là. Et puis, une évidence aussi, c'est que quand on regarde la littérature, souvent, il y a une focalisation sur les effets positifs, c'est-à-dire une espèce d'a priori que la participation est bien et que ça ne peut pas engendrer des effets négatifs. Alors, les principales hypothèses que l'on a essayé de poursuivre dans ce travail c'est l'idée que ça va faciliter l'intégration des politiques, notamment en faisant le lien entre plusieurs politiques, en peut-être en ayant une approche territoriale plus intégrée, et ça facilite alors l'acceptabilité des politiques. Alors je sais que ce mot, je l'utilise, je dirais, pour aller vite, hein, c'est-à-dire une meilleure, finalement, appropriation de la politique et adaptation de la politique. Ça va renforcer la cohésion et l'apprentissage social au sein d'une communauté ou d'un territoire. Et selon certains auteurs, ça peut aussi renforcer la dimension sociale des politiques parce que du coup, on prend en compte le citoyen, on prend en compte l'usager avec ses besoins et donc on va mieux adapter finalement, sur des critères qui ne sont pas toujours regardés en premier lieu. Alors, au cœur des débats, il y a des effets qui sont fonction. Si on récapitule un peu tout ce que j'ai dit, qui sont en fonction du moment et des modalités de mise en œuvre, mais aussi des objectifs. Quand on travaille sur l'évaluation, on sait qu'on évalue toujours par rapport à des attendus, à des objectifs qu'on s'est donnés. Alors là, du coup, on ouvre un peu la boîte de Pandore et on se rend compte que les objectifs, déjà, ils sont différents. Alors là, je vais vous présenter deux typologies, il y en a des multiples, mais quelque part on retombe un peu toujours sur, je dirais, un peu les mêmes partitions. Donc Mazo propose des catégories d'approches, des approches qui sont plutôt gestionnaires, managériales, orientées vers la modernisation de l'action publique, des approches qui sont plutôt émancipatrice sociale, donc plutôt en termes de rapports sociaux, voire de conflits, et des approches plus démocratiques en termes de légitimité, d'innovation institutionnelle, où on s'intéresse plus, comme je disais tout à l'heure, c'était la partie droite, à la question des publics. Fourniau et Hall a aussi donné des catégories, cette fois, d'effets, selon que les effets portent sur les individus, sur la construction des collectifs ou sur la fabrique de l'action publique. Bien sûr, tout ça se recoupe un peu, hein, et nous permet de voir qu'on va étudier des processus qui sont finalement dans un espace multidimension où on a des catégories d'approches et des catégories d'effets qui se croisent et qui rend effectivement toute évaluation complexe. Alors, si on regarde... si on essaye de résumer cette complexité en essayant de voir une partition entre deux grandes logiques qui ressort un peu,
On a des approches qui cherchent plutôt à améliorer la qualité de l'action publique et d'autres qui cherchent plutôt à améliorer le fonctionnement de la démocratie, notamment à travers une démocratie plutôt délibérative. Et du coup, en fait, on a des hypothèses et des actions qui sont plutôt en termes de faire partager les incertitudes en termes d'apprentissage social pour la partie décision et pour améliorer le fonctionnement donc plutôt de la démocratie, on va plutôt orienter les recherches sur l'idée que l'utilité est indépendante de ses effets sur la décision publique et sur les politiques, puisque du coup, en fait, on a un objectif qui est beaucoup plus large que la politique publique à proprement parler, puisque là, on est sur des effets sur la démocratie. Alors, quand on essaye de faire un peu de bibliographie sur ce qui a déjà été fait en termes d'évaluation, on s'aperçoit, donc là, ce n'est pas du tout exhaustif, hein, et c'est même un peu daté, parce que je n'ai pas eu le temps de le réactualiser. On s'aperçoit quand même que l'essentiel des travaux qui sont faits concerne la nature des participants et la qualité des processus, avec un certain nombre de critères que j'ai listés là dans chaque catégorie, mais qui peuvent finalement être résumés en gros pour la nature des participants à des problèmes d'équité d'accès, de diversité, de représentativité, et pour la qualité de processus, des questions d'équilibre des temps de parole, de transparence, voire de traçabilité des débats. Donc ça, je dirais, là-dessus, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, on a bien avancé, et on peut dire que maintenant, on ne peut pas dire que ça soit acquis, mais il y a vraiment quand même, je dirais, des procédures, de la bibliographie, donc on peut travailler, je dirais, pas à l'aveuglette là-dessus. Par contre, la question, c'est de dépasser cette question de qualité des processus pour essayer de plutôt d'évaluer les procédures à travers leurs effets. Donc, du coup, j'ai essayé de voir comment cette évaluation des effets, en fait, amenait plutôt, donc le pilotage et l'évaluation des procédures, c'est plutôt, comme on a vu, la qualité, les règles, la transparence, l'information. Et en bas, on a plutôt les questions d'apprentissage, d'équité, de justice, d'acceptabilité d'efficacité ou de démocratie. Donc, le champ d'évaluation des effets, en fait, on va en trouver là aussi un champ assez large, de la même façon que Fourniau et Hall avaient parlé d'individus, de fabriques de l'action publique. Là, on peut avoir des effets internes pour les élus et les structures. J'ai beaucoup travaillé sur les collectivités, donc j'utilise beaucoup le mot élu, hein, mais ça peut être élargi. Plutôt donc des effets internes à la structure qui lance le dispositif de participation, des effets qui sont externes mais qui vont être restreints aux participants, et des effets qui sont externes mais qui vont être élargis pour lesquels on va pouvoir interroger l'ensemble des citoyens. Et du coup, les processus, bien sûr, ne vont concerner que les deux premières catégories, et les effets externes vont au contraire concerner les autres catégories, avec un certain nombre de surplus économiques que l'on peut identifier en termes de reconnaissance, de cohésion sociale, d'apprentissage, de coûts évités en termes de recherche de l'information, qui peuvent permettre de... Bon, je vais passer là-dessus. Là, c'est une grille qu'on avait fait il y a quelques années, qu'on avait d'ailleurs présentée à l'époque au GIS Participation quand il s'était monté, pour essayer justement un peu d'identifier les types d'effets à partir de nos expériences de terrain. Donc, c'est une liste. Je la montre juste pour dire qu'elle a été un peu à l'origine du travail qu'on a fait par la suite, notamment avec Jean-Yves de Beuret et Audrey Richard, pour essayer de systématiser un petit peu plus ces effets. Alors, la deuxième temps, une fois un peu cette introduction générale, la deuxième partie, en fait, il s'agit de vous montrer justement comment on a élaboré cette grille dans le cadre d'une démarche qui nous a été demandée par le Conseil général du Gard, donc pour essayer d'évaluer leur dispositif. Alors, notre hypothèse sur le fait qu'il y a peu d'évaluation des effets de la participation, on part du principe que c'est peut-être dû à un manque d'outils ou à des métriques qui ne sont pas adaptées, parce que souvent on a des évaluations plutôt sous forme de grilles, je dirais, d'entretien, où on essaye de reconstituer le processus, mais du coup on a du mal après à comparer ou en tout cas à hiérarchiser les effets. Donc ce que l'on a fait dans le cadre de ce travail, on a fait bien évidemment la partie, je dirais, plus qualitative de grilles d'entretien avec les acteurs, mais on a essayé de construire une grille un peu plus systématique pour comparer.
Donc, on a élaboré donc, du coup, une checklist d'indicateurs pour essayer de repérer, alors bien évidemment, ça peut être complété, mais une liste d'un certain nombre d'effets qui pourraient être envisagés et de questionner les acteurs sur est-ce que cet effet a eu lieu ou pas, quelle est l'importance qu'il a eu. Et du coup, on va coupler, l'idée de notre approche, c'est de coupler des approches qualitatives et quantitatives, de partir du principe, et Dewey, dans sa théorie de l'enquête, insiste sur l'idée que, en fait, quand on essaye de demander l'importance de quelque chose, les gens raisonnent en termes d'importance relative par rapport à quelque chose. Et donc, du coup, l'intérêt de notre grille, c'est de pouvoir, je dirais, identifier un certain nombre d'effets et les faire classer aux gens les uns par rapport aux autres pour finalement aider à hiérarchiser ces effets. La mise en œuvre de la grille que l'on propose, elle est individuelle ou participative, on peut le faire tout à fait en groupe. Nous, on l'a fait dans des entretiens bilatéraux individuels et ensuite on l'a restitué dans le cadre d'un focus group à la fin. Et on la faisait toujours passer en fin d'entretien pour pas orienter, pour pas notamment suggérer des effets. Et par contre, elle avait justement un peu cet effet rebond de relancer l'entretien. Parce que justement, on évoquait des choses que les gens nous avaient pas, dont ils nous avaient pas spontanément parlé, mais sur lesquelles ils se mettaient à parler en disant « Ah ben oui, ça aussi, effectivement, on l'a vu, etc. » Alors, les détails pratiques dans cette étude-là, en tout, on a enquêté 47 personnes, donc il y avait 23 dispositifs. On a d'abord fait une analyse bibliographique et après, on en a uniquement, je dirais, analysé en profondeur 5. Et il n'y en a que 36 qui ont répondu à cette grille multicritère qu'on a essayé d'élaborer par manque de temps uniquement. Ce n'est pas que les gens ne voulaient pas parce que ça a été bien accueilli, mais c'est que parfois, l'entretien avait déjà beaucoup duré et quand on leur disait, alors maintenant, il y a une autre phase, c'était pas possible, notamment avec certains élus. La métrique d'évaluation, elle était très qualitative du type Likert. Par contre, on avait des effets négatifs. Est-ce qu'il y a eu des effets négatifs? Ça, on a beaucoup insisté là-dessus. Est-ce qu'il n'y a eu aucun effet? Et ensuite, faible, moyen, important, très important, voire ne sait pas. Alors, le cadre de référence des effets que l'on a testés, on a quatre catégories d'effets. Des effets sur, concrets sur la politique, parce que c'est ce que nous demandait notamment le Conseil général du Gard, c'était de montrer en quoi leur pratique avait fait évoluer les politiques publiques. Des effets plus politiques en termes d'image. Des effets d'organisation sur les services et des effets sur les participants. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, d'autant plus que cette partie-là va être publiée dans le prochain numéro de la RERU. C'est ce qui a donné l'idée, je pense, à André de m'inviter. Donc, vous pourrez vous y référer. Donc là, la liste des effets, elle est issue de la revue de la Biblio, de la liste précédente sur laquelle je suis passée très vite, sur laquelle on avait un petit peu travaillé en 2009. Et qu'on a, alors on laissait chaque fois la possibilité aux gens, bien sûr, de rajouter un effet. On n'a pas eu de rajout. Donc on a des effets concrets sur les politiques. Alors chaque fois en bleu avec l'étoile, vous verrez en fait les effets négatifs qu'on a demandé d'évaluer. Alors bon, on a en général 6 ou 7 effets pour chaque catégorie. Alors ce qui est intéressant, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Alors c'est très délicat parce qu'on est sur des petits échantillons et cette méthode, soit elle doit être faite de façon beaucoup plus standardisée. Nous, dans notre cas, elle a servi, je dirais, de complément à des entretiens qualitatifs. Elle n'a pas été juste traitée comme ça. Et donc, on peut comparer aussi comment chaque type de population, chaque type de public va réagir, notamment en comparant les agents du Conseil général, les citoyens ou représentants d'associations, et puis les élus, sachant que les élus, on en avait moins que les autres. Alors, c'est intéressant parce que les élus, on en avait moins, donc c'est très aléatoire puisque ça va être lié finalement à la fois. Alors là, je ne vous le présente pas, mais on a aussi analysé par type, je dirais, de concertation. Mais les élus sont souvent un peu différents, je dirais, alors qu'on a tendance à voir que les agents du Conseil général et les citoyens ont quand même globalement une vision assez proche, je dirais, des effets qu'ont eu ces dispositifs auxquels ils ont participé. Et les élus sont souvent un petit peu plus, je dirais, différent.
Voilà, donc là, ce qu'on observe, c'est que globalement, il y a assez peu d'effets négatifs, hein, si ce n'est que les citoyens, et ça c'est ce qu'on retrouve dans la littérature, hein, critiquent le fait que ça n'apporte que des modifications mineures. Certains même dans la littérature disent que ça n'apporte aucune modification aux politiques. Donc globalement, on a quand même des choses qui sont assez proches. D'accord. Sur les effets politiques sur l'image, donc il y a une légitimité des actions, il y a une amélioration de la confiance, une amélioration de l'image. Ça peut favoriser les critiques, ça peut créer des tensions, notamment au niveau du pilotage du processus. Donc là, on voit une certaine unanimité des gens sur l'idée que ça améliore l'image du Conseil général, en l'occurrence, qui était porteur de ces politiques. Et il y a assez peu d'effets négatifs sur les critiques ou sur les tensions. Et bon, il y a, je dirais, aussi des effets sur l'amélioration de la confiance. Les effets sur les services, c'est-à-dire des effets plutôt organisationnels, de collaboration entre services, de redynamisation des équipes, de nouveaux partenariats, de relations usagers-techniciens, de réduction des conflits oppositions au sein de la structure, voire de surcharge de travail. Donc là, bon, ben, on a, je dirais, une vision aussi qui est relativement homogène, avec quand même pour les citoyens le fait donc de dynamisation des équipes qui est peut-être surévalué, puisqu'ils ne sont pas à l'intérieur, ils ne s'en rendent pas compte, donc ils se font une représentation de ce que ça peut apporter. Ceci étant, ça a apporté ça, hein, les gens du Conseil général nous ont expliqué qu'en termes de transversalité, ça a beaucoup apporté. Une surcharge de travail qui, là, en fait, est à peu près identifiée par tout le monde comme étant important et qu'on retrouve d'ailleurs dans la littérature. Les élus ont mis l'accent sur le fait que ça atténuait les situations conflictuelles et la dynamisation des équipes, au contraire, ils l'ont plutôt sous-évaluée. Sinon, on a quand même des choses assez voisines. Et enfin, les effets sur les participants. On a en fait donc des questions de reconnaissance, de légitimité des associations qui participent, de connaissance des participants sur les politiques, de renforcement de la communication, de lien social, de solidarité éventuellement entre participants. Et puis la critique qu'avait émis notamment Blatrice sur le fait que ça peut créer des réseaux d'initiés et créer finalement des inégalités entre participants. Alors là, on a une vision assez différente des élus, hein, qui notamment vont complètement sous-évaluer cette idée de réseau d'initiés, en fait, et qui vont au contraire montrer plutôt des aspects très positifs sur les participants, hein, qui ont l'impression donc que c'est plus positif. Des citoyens qui sont relativement homogènes sur l'ensemble des effets et qui sont plutôt plus restreints. Donc là, on peut penser que comme ils sont les principaux participants, c'est peut-être leur représentation qui est plus proche de la réalité que les autres. Mais ça, c'est intéressant justement, non pas au sens où on va dire c'est la vérité, mais au sens justement de montrer ces différences. Là, on a vraiment trois sphères qui s'emboîtent et qui montrent que les représentations ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, c'est l'occasion justement d'en débattre. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs dans le cadre d'un focus group et d'un séminaire de restitution qui a été fait. Alors, si on essaye, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail, si on regarde un peu les effets négatifs, parce que dans la littérature, c'est souvent les effets positifs qui sont mis en avant, là, les effets négatifs, on voit que globalement, ils sont quand même relativement peu importants, hein, puisque la plupart des gens les ont mis à 1, avec un qui vraiment sort du lot, qui est la surcharge de travail, et puis deux autres un peu plus importants, les modifications mineures et le réseau d'initiés qui apparaissent quand même comme les effets importants. Dans les effets sur les politiques et les effets donc au sein de la structure, ce qui ressort, c'est la collaboration entre services, l'image du Conseil général et la connaissance des besoins comme étant les trois principaux effets qui vont apparaître. Et les effets sur les participants, donc là globalement, on a le côté connaissance sur les politiques et lien social entre les participants qui apparaissent, mais il y a les différences sont moins marquées. Alors, en parallèle de ces entretiens que l'on a fait, il se trouve que le Conseil général du Gard, qui était avec celui du 94, un petit peu des conseils généraux assez dynamiques sur ces questions, on a travaillé avec la mission d'évaluation du Conseil général, qui avait un délégué à la participation, ils avaient une communauté de pratiques sur la participation, donc on a vraiment travaillé dans un contexte, je dirais, favorable à la participation. Et du coup, ils avaient en fait une liste des mails de toutes les personnes qui avaient participé
participé au moins une fois, voire deux fois à des processus et qu'on a essayé de relancer. Alors, la liste au départ faisait à peu près 900 mails, sauf qu'il y en a certains qui étaient anciens et quand on a envoyé, en gros, il y en a la moitié qui nous sont revenus comme inconnus. Donc, on part plutôt, je dirais, de à peu près 400 citoyens qui ont réellement bien reçu notre mail et qui était accompagné en plus d'une lettre d'invitation à un grand forum qu'organisait le Conseil général pour restituer les résultats. Donc on en a 72 qui ont répondu, et ceux qui ont répondu nous ont permis de voir le profil particulier des gens. Ce n'est pas le citoyen lambda tel qu'on pourrait le penser, c'est plutôt des hommes, c'est peu des gens jeunes, beaucoup, vous allez me dire 10% c'est pas beaucoup, mais par rapport à la population normale, pas mal de gens ont une expérience d'élu, voire 70% des fonctions associatives. Donc c'est pas vraiment des participants lambda, voilà. Par contre, spatialement, au sein du département, en fonction des différentes villes, on aurait pu s'imaginer que le chef-lieu Nîmes soit surreprésenté. Pas du tout, il y avait une bonne répartition spatiale. Alors, là, je ne l'ai pas mis en pourcentage, c'est simplement un nombre de réponses, sachant qu'ils pouvaient répondre à plusieurs questions. On leur a demandé d'abord quels étaient les effets positifs. Et donc là, on voit que ce qui arrive en premier, c'est qu'on retrouve la meilleure connaissance des attentes et la meilleure articulation avec les actions existantes. On leur a demandé ensuite, au contraire, les points négatifs de ces dispositifs. Et là, ce qui arrive en premier, c'est le faible impact sur la politique, qu'on retrouve partout, hein, et le faible nombre de participants. Bon. Après, on va pas rentrer. L'évolution de l'image du département à l'issue de ces dispositifs, eh bien, pour beaucoup, le département est apparu comme exemplaire en matière de démocratie, donc une image positive renforcée, voire une meilleure reconnaissance des contraintes rencontrées. Hein, ça permet aux citoyens de mieux se rendre compte des difficultés, finalement, de mise en œuvre de la politique. Et dans les effets générés sur les citoyens, donc sachant que tous les gens qui ont répondu avaient participé, une meilleure connaissance de la thématique, une compréhension des contraintes des gestionnaires publics, une connaissance du Conseil général de son rôle, de ses domaines d'intervention et la création de liens sociaux qui apparaissent un petit peu équivalentes. Le Conseil général, qui est moins près que la commune, était très attaché à cette idée de mieux faire comprendre son rôle à travers les participations. Et je pense qu'en fonction justement des échelles, les attentes ne sont pas les mêmes. Alors ces travaux ont été restitués le matin auprès d'une cinquantaine d'agents du Conseil général, en début d'après-midi auprès donc de 5 ou 6 élus et en fin d'après-midi et soirée donc auprès d'une centaine de citoyens qui sont venus donc à cette Et là, alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail, simplement, si ça intéresse certains, on a écrit un petit fascicule de synthèse de ce qui a été discuté. Hein, donc, on a présenté nos résultats. Il y a eu une discussion autour de nos résultats qui, en gros, n'ont pas du tout été remis en cause. Hein, bien au contraire, ça correspondait un peu à l'idée qui s'en faisait. Et la discussion a plutôt porté sur des thèmes pour aller plus loin, pour améliorer, en fait, la concertation et ses effets, en essayant de susciter l'envie des citoyens à participer, en essayant de faire participer certains types de populations, en demandant aux gens de quoi ils ont besoin pour mieux participer, en essayant de voir les formes de retour et de garantie qu'ils souhaiteraient avoir, et aussi si la question de la crise finalement n'était pas venue un peu occulter et mettre en second plan les questions de participation. Alors j'ai pris juste 2-3 diapos pour recontextualiser mes résultats par rapport au baromètre de la concertation qui régulièrement publie des résultats. Alors, les quelques résultats généraux, donc ça, c'est, vous pouvez le trouver sur Internet, hein, c'est en ligne, le baromètre de la concertation. 54% des Français pensent qu'il n'y en a pas assez de concertation dans leur commune et 80% souhaitent le développer. Donc, les résultats que je vais vous présenter, là, sur les deux diapos, sont issus d'une enquête en ligne qui a eu lieu donc, en décembre 2016. Auprès d'un échantillon représentatif des Français spatialement et par catégorie socio-professionnelle, 2441 personnes habitant dans des communes de plus de 3500 habitants. Alors, quelques résultats par rapport à l'impact. Qu'est-ce que les gens pensent de l'impact? Pour 57%, ils pensent que ça donne un peu plus de pouvoir aux citoyens. Alors, le plus 10 à côté, ça veut dire qu'au cours du temps, depuis une dizaine d'années que ce baromètre existe, ça a augmenté de 10. Hein. 71% pensent que ça permet une meilleure prise en compte de leur avis.
68, c'est l'amélioration de la transparence, des décisions publiques plus efficaces pour 64%, permet de contrôler les élus. Alors c'est comme ça que c'est écrit, moi ça me paraît un peu fort l'idée de contrôler les élus, mais bon, la moitié des gens pensent que c'est possible, que ça peut y contribuer, et 52% pensent que ça peut améliorer la gestion des dépenses publiques. Sachant qu'à côté de tous ces effets plutôt positifs, puisqu'on a des pourcentages qui sont assez importants, on a aussi 68% des gens qui pensent que effectivement ça permet une écoute, mais que ça ne prend pas en compte suffisamment l'avis des citoyens. Et par rapport à la question de mettre en place des jurys citoyens, est-ce que les gens pensent que ça peut être efficace ? Eh bien, on voit que c'est très fonction de la, de l'échelle à laquelle c'est mis en place. Ils sont largement favorables pour la commune, un peu moins pour l'intercommunalité, le département, et beaucoup moins pour la région et le national. Il y a toujours cette idée quand même de concertation, de proximité, notamment quand on lit la littérature, notamment canadienne, à terme de quartier, etc., voire de ville, plutôt de commune. La participation progresse, puisque dans cette enquête, on demande aux gens à quoi ils ont assisté. Et donc, 33% voient bien ce qu'est la concertation, donc ça leur parle, ils voient bien de quoi on parle. Et 7 Français sur 10 en ont entendu parler sans forcément savoir exactement de quoi il s'agit plus précisément. Et on voit quand même là, au cours des dernières années, une augmentation en fait globale des gens qui ont participé à des types de réunions, que ce soit de quartier, sur un projet, les différents types de projets, etc., qu'il peut y avoir. Alors, donc là, on est sur des approches multicritères. Je vous ai présenté un exemple. Et l'idée, c'est d'élaborer à travers, en fait, cette checklist d'indicateurs, finalement, à la fois un outil d'évaluation et de comparaison des dispositifs, mais surtout un outil de réflexivité, en fait, au sein des dispositifs pour essayer de comprendre comment améliorer et faire parler les gens autour des résultats. Je ne suis pas rentrée dans le détail, mais effectivement, quand on a présenté nos résultats lors de l'Assemblée des citoyens, ça a beaucoup fait parler les gens et je dirais presque qu'on aurait pu compléter l'analyse en relevant encore plein d'éléments qui ont été donnés. Alors, récemment, on a voulu tenter quelque chose de plus, je dirais, un peu inattendu quand on parle de concertation. Donc moi, je suis économiste et je travaille beaucoup sur les questions d'évaluation. J'ai un master, d'ailleurs, qui s'appelle « Ingénierie des projets et politiques publiques » qui est centré sur l'évaluation. Et donc, on travaille beaucoup sur des évaluations contingentes pour voir la valeur des éléments non marchands. Et depuis quelque temps, on travaille surtout sur ce qu'on appelle des « choice experiments », c'est-à-dire comme des évaluations contingentes, mais pour lesquelles on va pouvoir calculer, alors je ne vais pas rentrer dans le détail technique, calculer la valeur de plusieurs attributs d'une politique. Donc là, nous, on avait travaillé en partenariat avec les services de l'État, notamment la DREAL Languedoc-Roussillon, par rapport aux politiques d'augmentation du niveau de la mer et de savoir comment on va s'adapter à ça, notamment en relocalisant les maisons qui sont trop près du bord. Et donc, la DREAL voulait savoir finalement comment les gens, quelle était un peu la façon, la modalité de mise en œuvre qui pouvait être, je dirais, la meilleure à travers un certain nombre d'attributs de la politique. Alors les attributs qui ont été discutés ensemble et donc qui ont été retenus par la DREAL, parce que c'est vraiment eux qui nous ont, c'était une vraie recherche en partenariat et c'est eux qui ont défini les attributs, ils voulaient savoir si les gens avaient ou pas besoin de concertation, et si oui, est-ce qu'ils voulaient plutôt qu'on concerte sur les zones à relocaliser ou plutôt sur les critères d'indemnisation des gens. Ils voulaient savoir à quelle période les gens voyaient cette politique, est-ce que c'était dans les 15 ans à venir ou un peu plus long, un peu après. Ils voulaient savoir comment on devait la programmer, si c'était en une seule fois ou en plusieurs phases, et ils voulaient savoir quelle était la taille de la zone optimale que les gens imaginaient être optimale. Alors, par un biais un peu, je dirais, technique, ça revient au cours d'une enquête à demander à des gens de choisir chaque fois entre 3 scénarios. Un scénario qui est le scénario de référence où on ne fait rien, qui ici est le numéro 3, et 2 scénarios qui sont des associations de différents niveaux d'attributs. Et donc, par un traitement économétrique après, on peut arriver à donner des valeurs aux attributs. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir une valeur, donc ça c'est, je dirais, plus inattendu, une valeur, la valeur que les gens attribuent au fait que la politique soit concertée plutôt que non. Donc là, les gens sont prêts à payer, en gros, autour de 200 euros
pour qu'on concerte le choix des zones à relocaliser, ou ils sont prêts à payer 120 euros pour qu'on concerte sur les critères d'indemnisation. Bon, après, le reste... Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même arrivé... Celui qui est arrivé en premier était la période, et c'est arrivé en second, la concertation. Dans le cadre de cette enquête, où on avait donc fait cette évaluation, on leur a aussi demandé de classer les critères... simplement de les classer, et là on voit que en fait il y a une homothétie entre les critères et la façon dont ils les ont classés et les résultats des consentements à payer, puisque les modalités de concertation là aussi arrivent en gros en seconde position et sont bien identifiées par les gens. On leur a demandé aussi de voir un peu en quoi la concertation pouvait être favorable à l'acceptabilité des politiques, en leur demandant justement de choisir dans un certain nombre de critères, qu'est-ce qui leur paraissait le plus important en fait pour, la qualité des politiques publiques et qu'est-ce qui leur paraissait le plus acceptable. Et on voit là aussi que va arriver en premier la durabilité. Et puis, la concertation, elle frôle la question de l'efficacité. On voit que donc elle arrive plus souvent en choix numéro 2, mais globalement, finalement, on est très proche. Donc, ça tend à montrer que les gens attribuent une place importante à l'efficacité, mais aussi à la façon dont c'est concerté. Depuis, on a fait d'autres travaux sur la qualité des institutions qui tend effectivement à bien montrer ça. Et alors, on a voulu aussi regarder, parce qu'il ne faut pas penser que c'est que des aspects positifs, si les gens qui nous ont répondu tous qu'ils étaient pour la concertation, étaient conscients que la concertation peut aussi induire des effets négatifs, notamment, est-ce qu'il n'y a pas un risque que la politique soit influencée par les groupes les plus influents ? Et donc là, on voit que 75% sont d'accord avec ça. Donc, se rendre compte que la concertation, ça peut aussi être l'ouverture, finalement, de quelque chose qui est moins démocratique, hein. Et le risque qu'il y ait des compromis qui rendent moins efficace la politique, et là, 66% des gens. Donc, ça prouve que les gens, ils disent, enfin, ça prouve, tout ça, c'est des informations et des connaissances qu'on essaye donc de mettre bout à bout. Ça tend à laisser penser que les gens sont pour la concertation tout en étant conscients des limites et de la manipulation qu'il peut y avoir derrière, ce qui est une bonne chose. Ça veut dire qu'ils ne réfléchissent pas en aveugle sur quelque chose qui leur paraîtrait un peu idyllique. Enfin, je conclurai, je crois que je suis dans les temps, hein, je conclurai avec un travail qu'on a fait plus récemment pour essayer d'évaluer des processus de co-construction. Dans le cadre d'un projet PSDR 4, donc sur le Languedoc-Roussillon, on a établi, on a co-construit un guide de la gouvernance territoriale entre 11 chercheurs et 11 praticiens de collectivités territoriales essentiellement. Et récemment, dans le cadre d'un projet LITO sur le littoral, donc les questions de solidarité autour du littoral dont je vous ai parlé, qui était co-construit avec l'ADREAL, mais pas que co-construit avec l'ADREAL, qu'on a essayé vraiment d'associer beaucoup de gens à différentes échelles pour co-construire les recommandations, se pose un peu la question. Donc quand on fait, alors là on n'est plus dans la concertation, participation, on est plutôt dans la co-construction de programmes de recherche. Et du coup, se pose la question, comment on peut évaluer finalement la réalité de cette co-construction? Comment on peut essayer finalement d'affiner, est-ce que ça a réussi, pas réussi? C'est compliqué. Alors, on a essayé dans le cadre de ces deux projets de faire des enquêtes rétrospectives auprès des gens, avec toute une partie ouverte et une partie plus fermée, où on essayait à la fois de voir quelles étaient les perceptions qu'ils avaient du processus et des résultats. Alors c'est des évaluations subjectives, hein, mais qui donnent en fait le ressenti des gens par rapport à une démarche qui, dans les deux cas, ont duré 3 ans quand même, hein, ou dans lequel on a vraiment eu le temps de se connaître, de participer, de co-construire. Donc la perception du processus, la perception des conditions de réussite du processus et le détail des ressentis positifs, négatifs. Donc ça, je dirais, c'est relativement, peu innovant, hein. On va demander aux gens qu'est-ce qui s'est passé, comment ils ont ressenti. Et on a essayé de faire une hypothèse, donc là c'est une hypothèse que je soumets, à votre sagacité et à vos réflexions,
qu'il nous semblait que la vraie réussite de ce processus, c'est que les gens aient le même type d'engagement, ou tout au moins, aient un engagement, pas forcément sur le même registre, mais important, et que réellement, en fait, ça nous paraissait être un critère de la qualité de l'interaction. Alors, pour ça, on a essayé d'établir une approche à partir des régimes d'engagement de Thévenot, qu'on a construit notamment avec Audrey Richard, qui a fait sa thèse avec Thévenot sur ces questions d'engagement, mais qui est une vision très simplifiée, en particulier sur la façon dont on le met en œuvre, parce que quand on étudie l'engagement, c'est des longues enquêtes, etc. Or là, nous, c'est encore une fois une enquête à un moment donné, hein, c'est une photographie à un moment donné du ressenti d'une personne par rapport à quelque chose. Donc, nous, notre hypothèse, c'est que la réussite de ce partenariat, elle était liée à la distribution des participants dans l'ensemble des formes d'engagement, qui n'est pas des gens qui soient spécialisés dans un régime et les autres dans l'autre, qui est vraiment une interaction, et qu'il y ait l'existence de personnes qui jouent des rôles de passeurs et qui facilitent l'hybridation des connaissances et des postures des gens. Donc, pour nous, la réussite de ce partenariat, ça implique un processus de traduction et donc, du coup, des proximités dans les formes d'interaction et des postures. Alors, à partir de là, on a essayé de reprendre les quatre régimes d'engagement de Thévenot. Et bien évidemment, dans le questionnaire, on n'allait pas expliquer aux gens Thévenot, la théorie, tout ça. On a essayé de mettre ça avec des mots de tous les jours et de regarder, donc il y a quatre types d'engagement possibles pour Thévenot, celui de la justification, celui de l'action en plan, celui plutôt familier et celui dit d'exploration. Donc nous, pour nous, en bas, ça relevait du contrat, de l'importance du produit final, hein, d'une approche plus pragmatique, de l'échange, de l'interaction avec les gens ou de l'innovation. Et donc, on a posé la question aux gens en leur demandant de se positionner en fait sur un graphique avec donc deux axes, et on leur a mis des mots de tout le jour pour leur expliquer un petit peu comment ils avaient ressenti leur posture et leur position. Est-ce que ils étaient là parce qu'on a pris un engagement, il faut y arriver, donc on est plutôt dans le mode de la justification. Quoi qu'il arrive, il faut y arriver. Donc là, on est plutôt sur le produit final, sur le fait qu'il faut effectivement produire un résultat. Sur, on éprouve un intérêt parce que ça permet d'échanger. Donc là, on est plutôt dans le régime familier de l'échange. Et en fait, ça présente de l'intérêt parce que ça permet d'explorer de nouvelles pistes. Et là, on est plutôt dans l'innovation. Alors, voilà comment ça se positionnait, c'est-à-dire qu'on demandait aux gens de se positionner par rapport à un plan qui opposait nos différents registres, et en même temps, on leur posait un petit peu plus loin la question de façon différente. Ça a été une aventure plaisante et conviviale, on a beaucoup discuté, c'est satisfaisant d'être arrivé au bout, on a tenu notre engagement coûte que coûte, j'ai appris des choses, cela constitue une ouverture pour moi, qui nous permettait de vérifier finalement la position. Alors dans un cas, dans le cadre du guide de la gouvernance territoriale, on a demandé aux gens de se positionner au début et à la fin. Dans le cadre du projet Lito, on a juste demandé une fois parce qu'il y a eu moins de dynamique. Les gens ont changé un peu plus au cours du temps, donc c'était plus difficile d'avoir cette approche dynamique. Alors, bon, je ne rentre pas dans le détail, c'est pour vous expliquer. Donc, les gens, ils avaient ce schéma-là, hein, familier, plan, produire des résultats, etc. Et on a mis après les postures, hein, ils n'avaient pas les postures quand ils l'ont rempli. Et donc là, on a positionné les gens. Alors, avec C, c'est des chercheurs, G, c'est des gestionnaires, et A, c'est des acteurs. Donc là, en l'occurrence, donc on a identifié que donc il y a peu de gens dans la posture de, je dirais, un peu du pilotage et d'une appropriation stratégique. En gros, il n'y a pas vraiment de chef qui aurait un peu orienté. Par contre, il y a une communauté de projets qui associe deux chercheurs et deux gestionnaires et qui ont vraiment, je dirais, animé et amené, en fait, tiré le processus. Et après, on est beaucoup sur une communauté de pratique avec des gens qui, à la fois, se positionnent entre l'aspect familier et l'aspect exploration, en fait. Et donc là, ça relève un peu plus d'une communauté de pratique. Dans l'autre projet,
En fait, on avait aussi une distribution. Alors, ce qui est important pour nous, là, c'est que les C et les P et les A soient mélangés. Qu'on n'ait pas, justement, tous les chercheurs dans la case du pilotage et les autres dans la case de la communauté. Donc là, en fait, dans les deux cas, les gens sont mélangés. Même si ici, là, c'est le cas du guide de la gouvernance territoriale, on a un peu plus, je dirais, de chercheurs dans la posture du pilotage et on en a moins dans plan familier. Alors bon, ça demande, je dirais, d'être testé. C'est vraiment un tout début. Hein. Ça demande d'être testé pour peut-être aider. Alors là aussi, ça a été restitué chaque fois après avec une partie des gens qui avaient répondu parce qu'on n'est pas arrivé à les réunir tous pour essayer justement d'avoir leur ressenti. Alors, pour nous, les conditions de réussite de la co-construction, c'est la nécessité d'avoir des personnes dans la posture numéro un, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient un peu des leaders et qui tirent le processus. Il faut qu'il y ait une hybridation, c'est-à-dire qu'on ait une originalité de certaines personnes dont on ne s'attendait pas à les trouver dans cet endroit-là, mais qui finalement ont joué un rôle décisif, justement, d'interaction. Et il faut qu'il y ait l'existence d'une communauté de pratique qui englobe des chercheurs et des partenaires pour justement renforcer cette idée de mutualisation et cet intérêt. Voilà. Donc, on a après posé des questions sur le degré d'implication en demandant aux gens s'ils ont fait juste un apport ponctuel, un apport régulier, s'ils avaient l'impression d'être dans le groupe actif, s'ils avaient l'impression d'avoir contribué au groupe de pilotage. Là, on leur a aussi demandé un certain nombre de questions pour savoir, ça c'est dans le cadre du guide de la gouvernance territoriale. Cette partie-là, d'ailleurs, a été publiée dans un ouvrage qui a été coordonné, alors je crois que c'est par André, dans lequel, voilà. Donc, où on a présenté juste celui de Lito n'a pas encore été publié, parce qu'on voudrait faire plusieurs expériences pour essayer d'avoir plus de comparaisons. Donc, on leur a demandé aussi des questions, en fait, plus générales. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est pas trop la réponse, c'est de montrer que acteurs et chercheurs ont finalement des réponses très voisines. Donc, en fait, ils ont vécu le processus un peu de la même façon, hein, puisque finalement, il n'y en a pas un qui domine sur les types de questions. On a un partage qui est à peu près... Alors, pour la perception, par contre, négative, bien, on a beaucoup plus de chercheurs, en fait, qui ressortent plus négatives. Bon, là, on a posé des questions, on ne va pas rentrer dans le détail, hein, pour voir qu'est-ce qui leur a paru, je dirais, difficile, en fait. Hein. Donc, ce qui a paru le plus... Certains ont dit, je n'ai pas trouvé ma place pour m'investir plus. Si c'était à refaire, on pourrait s'y prendre autrement. Ensuite, on a... plutôt, le grip de pilotage n'était pas assez ouvert, ça l'a freiné l'implication. Donc, des critiques sur le processus qui pourtant a été relativement bien vécu, mais qui, je dirais, est perfectible. Voilà. Je m'arrête là. Alors, l'objectif là, c'est peut-être un peu différent d'une présentation où je serais rentrée uniquement par une seule entrée en rentrant dans le détail d'un programme. Ce que j'ai voulu là, c'est comparer finalement trois approches qui essayent d'offrir des outils pour essayer d'évaluer finalement les effets de différents types de processus dans lesquels eh bien, il y a de l'interaction entre des gens différents et qui doivent créer, disons, des effets d'apprentissage, des effets de changement sur les résultats attendus. Et donc, mon idée, c'était de présenter à travers ces trois exemples, en fait, un panel de possibilités de méthodes qui permettent de comparer, qui permettent d'afficher des résultats, mais surtout qui permettent de faire discuter les gens en termes de réflexivité sur justement l'itinéraire et le processus qui a été développé. Voilà, je vous remercie et je vais répondre à toutes vos questions.